Nardinmook, comment ça va tout le monde? Comment ça va Magic Pépouze, qui m'a envoyé un message pour me rappeler de faire mon live? Parce qu'il est vrai que j'avais pas oublié, hein, j'avais pas oublié, mais je prenais ma douche. Hein. Faut mieux être assez propre. Salut Wistis, je te connais pas. Ah oh, putain, elle s'est déjà sub. Putain, mais merci Wistis, c'est sympa. Merci à toi Wistis. Bienvenue, bienvenue. Hein. Du coup les gars, aujourd'hui ça va être du Genshin Impact, de mon jeu favori, vous le savez. Et aujourd'hui les gars, on va découvrir la nouvelle version du jeu, parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu beaucoup de trucs nouveaux. La dernière fois qu'on avait stream, on avait découvert le gouffre, non je l'ai fini le gouffre. Hein. Et aujourd'hui il y a les îles, des îles d'été, pour rappeler un peu les vacances, vu que c'est les grandes vacances, etc. Ils ont fait des îles d'été qu'on va aller découvrir, et on va aujourd'hui invoquer également. Hein, donc ça va sentir les sondages, tout ça, enfin les sondages, les prédictions plutôt, voir si on a casu, hein, si on a casoua. Donc je vais vous afficher ça, je vais pas perdre de temps, hop. Il y a les drops aussi, hein, je l'ai pas dit. Si jamais quelqu'un veut avoir des trucs sur Genshin, il peut regarder le live, il a des récompenses. Voilà. J'aime cette emote. Oui, elle est pas mal. Je sais pas comment dire, enfin oui, on va dire ça. Moi je préfère franchement celle de NoMF, très bon streamer d'ailleurs, elle va le regarder. Moi je les ai pas, là je vais me co sur mon ordi, enfin lui à mon frère. Le frère, je crois qu'il va péter des câbles hein, parfois. Hein. Le frérot il va se dire, c'est mon ordinateur meuf. Alors. Mal que le son du jeu est hyper faible. Peut-être que c'est moi qui l'ai baissé ultra violemment. C'est le dessin de Salamèche du stream Mintos. Attends, ça c'est Salamèche, mais putain la gueule qu'il a, Salamèche, il a géchant le ref. Il est pas là, je profite. Il est pas là, il n'en saura rien, tant mieux pour nous. Hein. Alors par contre, Genshin, il a baissé son ou quoi? Ouais, je vais peut-être augmenter. Voilà. Je sais pas pourquoi. Avant, les OST de Genshin et tout, ils étaient ultra forts. Du coup, je mettais le son hyper bas. Et là, je sais pas, là, c'est... Oh, tant mieux, tu me diras. Hein. Alors. Ok, donc nous voilà sur le jeu. Magnifique jeu qu'est Genshin. Alors du coup, il y a pas mal de trucs, du coup, je crois. C'est quoi, ça? Composition de l'équipe. L'inclusion de personnages de types différents. Éléments vous permettent de gérer efficacement. Quoi, ça nous donne des trucs maintenant, ça? Ok. D'accord. Bon, du coup, on a... Trop bien, d'accord. Terminer les épreuves élémentaires d'évaporation de fonte dans Temple du Lion. C'est pas déjà fait, ça? Ah non. J'ai fait ça. En fait, j'ai pas du tout fini le jeu, quoi. En plus, il prévoit d'aller à la Réunion pour continuer ses études, alors je vais bien en profiter, mais tant mieux. Tant mieux. Tu diras qu'il étudie bien, hein, qu'il rentre plus jamais, d'ailleurs, t'es l'enculé. Comme ça, tu gères ton rôle de modération très très bien. Bon, déjà, on va aller chercher les expéditions des persos. Et puis après, je sais pas, est-ce qu'on essaie de débloquer les îles? Ou est-ce qu'on invoque d'abord? C'est vos choix. On débloque les îles ou on invoque. Bon, là, c'est en chargement, ouais. Parce que les îles, je sais pas où elles se trouvent. D'ailleurs, Diluc, là, le skin que j'ai actuellement, il a eu un nouveau skin. Attends, je vais juste voir un truc. Est-ce qu'ils l'ont mis dans la boutique? Il est pas cher. Ah si, un peu plus. Ah si, en fait. Attends. Il coûte combien? Il coûte 2400. Il coûte 2400, donc. 2400, ça équivaut à combien d'euros? Ah ouais, il vaut 40 euros le skin. Mais c'est beaucoup trop cher. Bon, moi, je peux l'acheter, mais c'est beaucoup trop cher. En vrai, il est plus stylé que le skin original, mais...
y a... il y a un glow up pas mal, surtout la coupe de cheveux, regarde. La coupe de cheveux nulle. La coupe de cheveux bien. Et en vrai, je maintiens que le fait que c'est quand même trop cher. Il est immonde, non, il est stylé. Bah attends, le perso de base est pas stylé, enfin, c'est pas le meilleur perso du jeu, mais il y a quand même un glow up significatif entre les deux. Genre lui, je sais pas, lui il est pas stylé comparé à lui, lui il est un petit flow, tu vois. Donc bon, par contre ouais, ça coûte beaucoup trop cher. Hein. Bon, alors les expéditions. Il a une couette, ouais, mais il y a une différence en fait. Genre là, tu vois, la couette, je sais pas, elle est. Enfin, je sais pas, sa coupe de cheveux, elle est pas spécialement ouf, quoi. Que l'autre, tu vois, elle a déjà un petit flou. Alors, hop. Et voilà. Ok, alors. Et en plus, je crois qu'en plus, là, ces flammes qu'il fait quand il fait ça, je crois qu'elles sont différentes aussi. Elles sont plus rouges que orange. En vrai, je crois. Je suis pas sûr, hein. Mais je crois. Alors, Magic Pepou, lui, il aime bien, tu sais, genre, acheter deux trucs à la fois pour que ça fasse un truc infini. Du coup, je pense rien que pour ça, je vais le ban. Hop. Alors, il y a quoi dans les détails? Alors, zone à durée limitée archipel. Oh, ça, il faut qu'on le trouve. Nouveau personnage. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau perso aussi. Par contre, le nouveau perso est immonde. Et bon, ça, c'est le pass de combat, oui. On connaît la cinématique. On la voit à chaque mise à jour, en fait. Hein. Ok, donc je vais le racheter à la fin de la saison. Hein, parce que je suis un pigeon. Alors. Par contre, ça, je comprends pas, en fait, c'est quoi, ça. Déjà tout fait presque. D'accord. Bon, en fait, ça c'est juste des récompenses gratuites. Ah, mais j'ai plus de place dans mon sac pour porter. Guild. Non, guide. Ah putain, j'ai cru que c'était guild. J'étais en mode. Terminer certaines quêtes en priorité pour faire progresser votre aventure et votre exploration. Quête d'histoire non terminée et quête d'histoire ou escapade non terminée. C'est-à-dire... Ah, en fait, là, ça te met les trucs que t'as pas fait. Ça, c'est bien, ça. Parce que du coup, on savait pas. Putain, c'est bien, en fait. Bon, du coup, j'ai plus de place dans mon sac. Attends, je vais faire de la place. Comment faire de la place? C'est très simple. Tu t'améliores un perso, lui, par exemple. T'améliores ses artefacts. Et puis, normalement, ça devrait passer. Bon, allez, là, on espère du dégât crit, hein. Et dégât crit. Moi, je dis dégât crit. Grave. Oh, oh, j'ai 56 trucs. Bah vas-y, au pire. Hein, bon. Alors du coup. Ok, le taux crit augmenté, la maîtrise élémentaire, on s'en branle un peu, mais ça augmenté, on va pas cracher dessus. Hein. Alors par contre, du coup, ça c'est bien qu'il rajoute des trucs, alors que je suis en fin de jeu, du coup j'ai tout fait. Et du coup, j'ai juste à récupérer des trucs, en fait. Voilà. Ah, c'est déjà fini. Oh. Sérieux? Après, il y a des trucs là. Avoir les trucs de dents de lion, ça. Bon, sans branle. Hein. C'est bon, je suis sur ordi. Merde, désolé, je voulais pas écrire en gros. Alors, ça va, toi, tu maîtrises. Le clavier. Clavier, ça va, tu maîtrises. Par contre, c'est quoi le point d'exclamation que j'ai à H24 là? C'est ça? Ah! Attends, mais ils ont. Ah ouais, ils ont tous, hein. Ils ont tous invoqué Kazuo, hein. I got Kazuo, bah oui, fils de pute, on avait compris. Bah moi bientôt je ferai partie de cette équipe de gens qui ont Kazuo. Bon là on va juste faire ça, juste l'histoire de... Oh, le skin aussi là il est excellent. Alors ouais, les nouveaux persos du coup. Alors bon, eux deux ils étaient déjà là. Mais c'est lui, voilà, lui le nouveau. Comment on fait pour le tester déjà? F5 je crois. Escapade, bah du coup on a son escapade.
On a la quête de Kazuha qui est, je crois, excellente. Hein. Mais toi aussi, Noé, t'écris en mâche en faire exprès. Non. Non, généralement, quand je le fais, c'est soit je fais... Bon, parfois, je fais pas exprès. Hein. Mais généralement, parfois, je le fais exprès. Donc, on va le tester, lui. Est-ce qu'il est bon? J'ai des screens à l'appui. Oui, bah écoute, ça arrive à tout le monde. Hein. Tu sais, pendant un jeu, tu mets, t'appuies sur mage. Et puis après, quand tu quittes le jeu, tu oublies de retirer. Alors, alors, vous le trouvez comment, lui? Vous le trouvez BG ou pas? Honnêtement, moi, je le trouve... Enfin, je sais pas, on dirait un PNJ, on dirait pas, tu sais, un perso que tu peux jouer. Pas ouf, ouais, voilà, on est d'accord. Bon, par contre, c'est le seul perso qui peut frapper avec ses poings. Voilà, avec ses pieds. Parce que les autres, regarde, ils ont toujours une arme. Ou alors là, ils attaquent à distance. Mais lui, voilà, c'est le seul qui peut frapper. C'est le premier perso qui peut frapper. Par contre, il fait des dégâts, en vrai, ça passe. En même temps, c'est un main DPS. Un main DPS, il est censé faire des dégâts, un peu. Ok. Donc là, vas-y, j'envoie le coup de poing. Alors, 26 000, ok. Attention, petit ulti. Alors l'ulti qui fait pas beaucoup de dégâts, mais je crois pas que c'était une ulti. Voilà. Voilà. Là normalement c'est plié bientôt. Ah, super. Oui. Alors par contre c'est marrant parce que la petite meuf là qui fait son tourbillon là, elle est mieux dans l'essai que moi quand je l'ai. En vrai ça va, il est 26 000, en vrai c'est correct. C'est pas fou hein. Et c'est correct. Dégage, voilà, hop. Ah, j'ai eu mon propre drop. Let's go. Récupérer les trucs. J'ai eu des putains de drops. Alors j'ai eu mon propre drop sur mon propre live hein. Voilà. Moche, tu feras des vœux. Bah oui. Hein, je ferai des vœux pour lui là. Voilà, et j'ai pas beaucoup de primogèmes. Du coup, en vrai, c'est pas sûr que je l'ai hein. Alors, je peux peut-être acheter ça après, mais bon, ça on verra. Quoique en vrai, j'ai peut-être prendre Fischl finalement parce que je l'ai pas assez 6. Bon là, il y a pas les trucs qui sont revenus et je peux faire combien de vœux? 40 à mon avis, ce sera pas suffisant. Sauf si j'ai une chatte de salope, si j'ai vraiment de la chance pure, ça pourra passer. Mais autrement, sinon c'est non. Par contre, lui, trop cher, hein. Beaucoup trop cher. Hein. Même un skin Fortnite, ça coûte. Même un skin légendaire Fortnite, ça coûte pas aussi cher. Bah après, les skins Fortnite, ils servent à rien donc. Ouais non, en fait il sert à rien aussi le skin, c'est juste un skin en fait. Il apporte pas de puissance ou quoi. Bon, on fait les vœux d'abord ou on garde ça? Quand j'ai mangé des bagels. Des bagels? Pourquoi des bagels? Je suis con et genre tout le monde connaît. Alors par contre j'aime pas cette team, on va prendre la team que j'aime bien mais que pas grand monde aime. À savoir cette team là. Après oui, les persos qui chargent pas, ça c'est cool aussi. Mais du coup ouais, on fait les vœux d'abord. Ok. Bah si vous voulez, bah du coup on commence. Qui met la prédit? Qui met la petite prédit? Alors du coup on peut même pas faire 50 vœux hein. Juste pour info. On peut pas faire 50 vœux du coup Du coup voilà, c'est tout. Est-ce qu'on l'a dès la première multi? Est-ce qu'on l'a dès la première multi, tu sais? Ah merde, j'ai appuyé sur... Ah merde! Quoi? Quoi? Attends, quoi? Bon, attends, là, ça peut être... Je suis pas en 50-50. Je suis pas en 50-50. Enfin, je suis pas... En gros, là, c'est soit c'est Kazuha, soit c'est une autre merde du jeu. Et je pense que ça va être une autre merde du jeu, vu ma chance de merde. Alors. Ok, bon, de la merde. Ok, bon, lui, on l'a débloqué, d'accord, pas mal. Ok. Ok.
Ok, c'est celui d'après. Oh, oh, mais quoi? Mais quoi? Ouais, les vœux sont finis. Quoi? Mais quoi, mais don part, don part. Excuse-moi le jeu, hein, c'est... Là j'ai volé. Ah ouais, là le vol que j'ai commis. Il était... Let's go, Twitch event. Quoi? Chers travailleurs, félicitations, vous avez complété les missions de Twitch et vous avez obtenu les informations. N'oubliez pas de les récolter. Ah, c'est tout. Bon, on s'en branle. Alors. Et du coup, je l'ai, m'en fous. Attends, mais quoi? Attendez. Alors, juste, on réalise un peu tous ensemble, s'il vous plaît. En plus, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour l'améliorer. Je regarde, attendez, je vais regarder. On peut regarder ensemble, hein. Vérifions ensemble. Alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Jean et tout, hein, hop, on dégage, hein, s'il vous plaît. Laissez la place au BG Kazuha. Alors, on le veut, niveau 90, hein. En aptitude, 9, 9. Là, on s'en fout. Et on fait ça. Alors. Oh merde, il manque des trucs de boss. Oh oui, c'est vrai, j'ai pas fait le son boss de merde insupportable. Oh là là, oh là là. Bon, on va le faire du coup. Ben voilà, ben c'est fut rapide. Putain. Bon, c'était rapide. Oui, non mais là, là c'est même plus rapide là, c'est que c'était. C'est juste what the fuck. Alors du coup je vais pouvoir faire un truc, mon gars, que je voulais faire il y a longtemps. C'est à dire hop, hop là, hop, sucrose, ça dégage. Non, attends, on va l'équiper quand même pour voir le BG. Et est-ce que vous trouvez BG en vrai? Lui, en vrai, lui il a un petit flow, hein, contrairement à l'autre là. Let's go. Ça, là les gars, vous comprenez pas pourquoi je suis content, mais c'est le perso le plus fort du jeu, hein. Il faut que vous le sachiez. C'est le perso le plus polyvalent. Et il apporte des dégâts de fou. Et surtout il peut faire ça. Il peut s'envoler. Et surtout après il peut faire une attaque plongeante. Bon après là je peux pas la faire, mais je vais vous montrer. Regarde, hop. Hop. Et hop. Après il fait une dispersion comme ça. Il fait un petit vertex qui aspire les gens également. Mais bref, en gros voilà. En plus, le bagel était avec la sauce thaï. Ah non, mais non. Magic Pépou, tu peux pas me dire ton alimentation, ton retour du McDo et de la pizza quand tu viens de manger McDo 2 jours d'affilée. Ah, ok, putain. Oh, il m'a fait peur. Alors, je sais même plus, moi. Bah, moi, ce midi, j'ai mangé... bon, j'ai pas mangé à midi, hein. J'ai mangé vers 14h, 15h, hein. Mais, j'ai mangé quoi? Bagel, comment tu le prononces, ça me tue. Mais c'est Bagel, mais c'est quoi? Je sais. Attends. Faut que je m'oriente. Faut que je m'oriente. Bagel. Non, pas Bakeki, non, Bakeki, c'est. Ah! C'est tout. Ah oui, oui, bon, moi j'appelle ça un hamburger donuts. Hein. Là vous allez me dire, mais quoi, comment t'appelles ça? Mais what? Mais t'es trop bizarre! Allez crever. Ça se prononce Bagel. Oui, bah allez crever. C'est vrai qu'il a pas du tout le seum de le prononcer mal. Bon. Alors du coup, on va récupérer sa récompense à lui. Ah du coup, bah oui, du coup, on a l'autre là. Attends, mais je viens de remarquer, mais là, on a fait une perfecte poule. Hein. On a eu le nouveau perso que je voulais pas forcément, mais bon, hein, on va pas cracher dessus. Hein. Voilà. On a eu le nouveau perso plus Bagel, bah oui, c'est ce que dit Bagel. Bagel. Oui, c'est ça. Enfin, je prononçais Bagel, mais là que tu m'as dit, tu me l'avais dit au-dessus. C'est Bagel, ouais. Bon, bref. En plus, je crois dans l'événement là qu'on a, pas encore. Ben bah, normalement, il est censé. Attends, y a pas une quête genre île des étoiles et je sais pas quoi là. Kukishinobu. Ok, ça c'est Yelan.
Ah, mais c'est pas encore dans... Non, je comprends pas. Tiens, il y a lui, là. On va le déverrouiller, déjà. Hop. Ah, c'est bon, je l'ai déverrouillé. Ok, on va récupérer ça. Et là, hop. Hop là, on débloque Kazuha. On débloque sa quête. Ah, c'est pas le... Non, gueule. Ah, c'est bagueule. Bagueule. Bah, pourquoi ils écrivent ça Bagel alors? C'est... Vraiment, c'est... Ils sont fous ou quoi? Écrivez ça Bagel et qu'on n'en parle plus, quoi. Qu'on soit pas comme des cons à essayer de trouver comment ça se produit. Mais c'est un hamburger et puis voilà. Alors par contre, lui, il lui faut cette arme-là. Qu'on va faire en x5, hein. Parce qu'on est des fous un peu. Bah, en vrai, aucune blague, hein. Zéro blague. Hop, hop, on l'a fait x10. Et puis voilà. Par contre, alors, là, vraiment, aucune blague, je viens de faire ma meilleure invocation du jeu entier devant vos yeux ébahis. Hein. Même Utao, je l'ai eu moins rapidement que ça, alors que je l'ai eu en 30 vœux. Hein. Bah, tu dis pas un bourget. Ouais, mais bagueule, c'est de quel pays? Ça vient de quel pays? Parce que ça tout dépend aussi. Parce que hamburger, on sait très bien, c'est américain, du coup, faut le prononcer à l'américaine. C'est clair, si on le prononce à la française, ça fait hamburger, oui. Mais c'est quoi Ah, c'est américain. Bagel. Voilà, c'est bagel. C'est motherfucking bagel. C'est comme ça, tu vois. Bon. Du coup, maintenant qu'on a... Attends, on va peut-être commencer à l'améliorer, en vrai. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Ah, merde! Bah, ça, c'est con, ça, tu vois. Parce que ça, j'ai bien les artefacts qu'il faut pour lui et tout. Aucun moment, j'ai les artefacts bien pour lui. Hein. Alors. Bah, ça, c'est nul, tu vois. Pareil. Nul. Et nul. Bon, ok. La suite, bah sucrose, donne-moi ça directement. Là, on n'a pas grand-chose de fou. Ah, ça pourrait être bien, ça. Ouais, non. Ok. Là, est-ce qu'on a du... La maîtrise élémentaire. Oui, hop. Ok, là, est-ce qu'on a de la maîtrise élémentaire? Non. Et là? Non. Ok, bon, Kazuha a deux artefacts. Yes. Wesh, y'a Timmy. Comment ça, où ça y'a Timmy? À quand tu t'aimes le gigano? Quand on tombera dessus sur la roue, hein? Parce que maintenant, j'essaierai plus... Parce que tu vois, j'étais impatient. Avant, tu vois, j'étais impatient. Je me suis dit, oh, c'est bon, au pire, m'en bats les couilles d'attendre. Let's go. Enfin, let's go sur le jeu, tu vois. Enfin, let's go le gigano. Bah non. Où ça? Ah oui! Mais c'est Timmy. Oh mais Timmy. Ils sont où Ted et... Ted, Mary Jane, Dolores? Attention, lui parle. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites fuir les pigeons? Je ne peux rien y faire. Comment ça? Maman dit toujours que... Tant qu'on aime le monde, les animaux ne nous craignent pas. Attends, merde, hop. Alors, comment expliquez-vous que les pigeons n'ont pas peur de moi? Ils sont radioactifs, peut-être. Attends, on va lui reparler. On va faire l'autre réponse, là. Ils reviennent d'habitude, en effet, mais s'ils ne revenaient jamais. Comme... Alors, Timmy, on va le laisser tranquille, hein. MDR, quand ils l'ont chassé, Timmy, il est venu là. Ouais, non, mais là, il... Il vient de dire que Ted était mort, là, clairement. Il vient de dire que Ted est mort. Dire, oh, et s'ils ne reviennent jamais comme papa, Ted, c'est un déserteur, en fait. Quel enculé, ce Ted. Ah ouais, il a abandonné son fils. Quand il a dit ça comme à Timmy, genre, aucune race, quoi. Aucune peur, aucune douleur. Timmy, c'est un soldat, frère. Alors, bon.
On va améliorer le ref, hein. Là. J'ai ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, donc ah bah, bah non, sauf le boss de merde. Voilà. Ah, oh, je peux peut-être le passer 50 déjà, et après on pourra plus. Hop, voilà, ici. Hop, et là. Voilà. Ok. Ah, on a eu un vœu, je crois. Oui. On a eu un vœu. On peut faire un vœu. Waouh. Énorme. On peut faire un vœu. Regarde, t'es prêt? Hop, légendaire. Ah, épique. Ok, bon, j'aurais préféré ne rien avoir. Hein, parce que... Oh putain, ça pue du cul. J'ai eu la pire merde du jeu, frère. J'ai eu la pire arme du jeu. Frère. Rien ne va. Alors, tiens, j'ai eu des trucs là-dedans. Hop. Pas grand-chose, hein. Alors, est-ce qu'on va faire le boss de Kazuha ou est-ce qu'on va faire la... Bah non, en fait, il n'y a même pas de quête encore pour les îles. Ah si, non. Ah bah non, ça c'est... Bah c'est peut-être l'histoire de Kazuha, non. Rendez-vous de la plaine, nanana. Ouais, attends, on va le faire. Ça se trouve c'est ça, hein. Ça se trouve c'est Kazuha qu'il faut, faut faire la quête de Kazuha en vrai je pense. Mais avant toute chose, on va faire les petites missions de merde comme ça. On garde le gros morceau pour la fin. Alors. Hop ici. Voilà. Ah bah Timmy il m'a fait mal sur le coup là. Fait oui ils reviennent tout le temps mais si jamais ils reviennent pas. Tu sais je me suis dit oh, bah, tu vois normal et là comme papa. Ça va Timmy sinon toi dans la vie tous les jours ça. Bon, ça va hein. Ça n'a pas l'air d'aller. Alors. Tiens on va comme ça on va pouvoir le tester à l'œuvre. Bon il va pas faire beaucoup de dégâts vu que ben. Qu'il est niveau 0 quoi. Dans quoi? Attends mais il augmente. Ah mais non mais c'est parce que je suis dans Bennett. C'est à dire il augmente grave les dégâts mais non en fait. Ouais mais calme-toi frère. Il est fou. Bon après je pourrais faire... Ah mais oui du coup maintenant je peux faire la team Utao... Utao Kazuha maintenant. Non je peux faire plein d'autres teams en fait. Mais je sais pas si c'est vraiment... Je sais pas si c'est vraiment nécessaire en fait. Parce que Utao il lui faut plus Utao double Geo. Ou double Hydro maintenant mais... Je sais pas. Je sais pas si ça peut bien aller. Demain... Il y a les feux d'artifice. Où ça? Mais il y a les feux d'artifice. Ah oui, c'est le 4... oui, c'est le 14 juillet. Ça, c'est les feux d'artifice. Je sais même pas si on aura ça. Ouais. À Soleretel, à Retel, oui. Mais chez nous, il y aura peut-être un défilé. C'est tout ce qu'il y aura, je pense. On va allumer la clim parce qu'il fait froid. Il fait chaud. Le mec est con. Ok. Alors. Alors ici, il faut faire quoi? Faut détruire le ballon. Le ballon blob. Hop! Il ne fait pas de dégâts. Ah si, c'est bon. Ah, nice. Ah, il fait du 500, quoi, le casse-bois. Wow, trop bien. Il faut que je m'envole. Dégage mon ref. Ah ouais, Diluc 14 000. Putain, je suis chez écoute Diluc. Hop. Kazuha qui fait du gros dégâts sale. C'est quand je dis ça, c'est ironique. Hein. Bien sûr. Et ouais, moi le 14 juillet. Bah, je vais pas le fêter. Hein. Le fêter, je veux dire. Bien joué. Mon coin, tu vois, bien joué aux soldats. C'est par rapport à une guerre, histoire que je dise pas de la merde, c'est par rapport à ça. Parce que je suis un peu con, du coup. Du coup, je sais, c'est complètement pas ça, ça se trouve, mais t'inquiète. Alors, petit massacre rapide, hein, c'est le nom de la quête. Hein.
C'est là. Bah du coup, vu que ça va être rapide, a priori, on va... Ça va être rapide. Bah tiens, on va changer de team un peu, on va prendre une autre team que ça, parce que finalement, on nique sa race. Hein. Kazuo, il est pas assez au level pour être vraiment utile, on va prendre cette team-là. Avec Yelan qui est une beauté indécente. Et Utao, le meilleur perso du jeu. Moi, je le fête pas, je regarde juste les feux. Bah moi, je préfère regarder de l'argent qui brûle, c'est équivalent. Les feux d'artifice, c'est ça. Hein. Alors... En vrai, j'avoue que c'est romantique. Quand tu vas avec ta meuf ou avec ton gars, regardez les feux d'artifice. Et c'est tout. Vous embrassez pas parce que vous êtes trop timide pour ça. Donc... Et après vous chialez. Oh, c'est trop beau, je vais être avec toi pour toujours. Et dans 2 mois, vous êtes séparés. Quoique non, parce que vous êtes pas dégoûté, parce que vous dites c'est de sa faute à lui. C'est jamais de votre faute. Hein. Du coup, voilà, je viens d'écrire 100% des relations, en tout cas en France. Non, intermondiale en fait, toutes les relations. Alors, hop. Et la dernière quête. Ah, super, c'est une bonne quête d'Orlo qui va bien me casser les couilles. Et tu t'exploses les oreilles. Également. Hein. Non, moi, je crois que j'ai gardé des feux d'artifice. Ça allait bien. Ça allait très très bien. Mais pas l'inconvénient. Salut Brioche, comment tu vas? Comment ça va le Brioche? On se pose là, hop. Petit bateau. Là sur l'eau, hop. On va défoncer ces trucs de race. Ah oui, la mission. Ah oui, c'est vraiment la pire mission. Ça, c'est genre, tu dois tirer sur des gens. Hop, comme ceci, comme cela, comme ceci. Et le dernier coup. Voilà, mission terminée. Hop, maintenant on va à la forge. Et on va récupérer nos petites épées. Ça va et toi? Moi, ça va très très bien, Brioche. Aujourd'hui, alors ça va plus que bien. Parce que honnêtement, là, je viens d'avoir un légendaire, Kazuo. Hein, lui. Je viens d'avoir ce légendaire-là. En 10 vœux. Je me suis dit, ouais, j'aurais jamais assez de primogèmes et tout, je l'aurais jamais. 10 vœux, je vois la lueur jaune, je me dis, oh, attends, quoi? Tu vois, je suis choqué parce que ça faisait vraiment, j'avais vu un légendaire, il y a vraiment, bah, 10 vœux, hein, du coup. Et je me suis dit, what, abusé et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible d'avoir autant de chance. Je me dis, c'est sûr, je vais tomber sur, genre, Diluc, c'est le perso avec les cheveux rouges, là, qui pue du cul. Je suis tombé sur une kiki, sur un truc de merde. Et au final, je suis tombé sur le perso. J'étais en mode... c'est quoi ce bordel? Hajime. Salut Hajime. J'ai terminé votre commande. Ah bah tiens, merci Hajime, il est sympa. Il est gentil le Hajime. Hein. Moi, je l'aime bien, je sais pas vous. Le Hajime, il est plutôt BG, plutôt sincère. Hop. Et voilà. Alors. Alors, avant toute chose... on va l'équiper à Kazuo. Kazuo qui est là. Arme. On lui équipe cette arme. On renforce raffinement 5. Hein. Cette arme est verrouillée. Hein. Okay. Vas-y, on raffine. Alors ça fait quoi? Lorsque vous infligez des dégâts élémentaires à vos ennemis, tous les ennemis... Quoi, tous les dégâts infligés par ce personnage augmentent de 7% pendant 6 secondes. Les effets peuvent être cumulés 2 fois. Et peuvent être déclenchés 1 fois toutes les secondes. Ah, donc en gros, ça augmente juste ses dégâts, quoi. Ok. Après, il y a son arme qui est OP aussi, mais son arme, c'est bon, nique sa race. Pas que ça à foutre. Hein. On sait très bien que la bannière arme, c'est un trou à fric. On avait déjà vu ensemble. Je sais pas si j'étais en live à ce moment-là quand on a invoqué pour l'arme de Yelan, que j'ai fini par avoir d'ailleurs, hein, félicitez-moi, mais en étant 100 balles dans le jeu, et également en ayant eu 2 fois cette lance de merde. Let's go, que j'avais déjà, par ailleurs. Mais on fera pas le... On n'en parlera pas, hein, voilà.
Alors, maintenant, ça c'est fait. On a l'arme de Kazuha qui est plutôt haut level. C'est fou, elle est niveau 1. Et alors oui, alors on va aller combattre le boss de Kazuha si ça vous dérange pas, hein. Boss de Kazuha qui est où? Qui est, c'est lui je crois, ouais c'est lui, c'est l'âme d'Oni. Alors il est hyper chiant, c'est l'âme d'Oni. On attend quelques secondes, gars, voilà, si tu veux faire la petite blague, la petite blagounette. Blagounette qui va me faire ban Twitch, mais on s'en branle. Voilà lui là, alors lui frère, lui c'est le pire gars. Qui est trop chiant en fait, il se téléporte et il se divise en fait, du coup ouais c'est... C'est pas agréable de le combattre, tu vois, c'est... Ah, il y a mieux. En vrai, il y a mieux. Surtout qu'il prend pas de dégâts au début, voilà, ça c'est de l'arnaque. Parce qu'au début, j'attaquais tout le temps, j'étais en mode, pourquoi il perd pas sa vie. Et c'est normal, connard. Voilà, et là, il prend des dégâts, ça. Hop. On se fait bien dans le... Alors ça, c'est qu'il est pas très très fort. Ah, je peux pas. Ah, j'ai déjà... Bon, là, normalement, il va vite mourir. Ah, sauf s'il fait ça, ouais. Pourquoi il meurt pas? Il perd pas de dégâts? Il perd pas de dégâts? Ok, là il va perdre des dégâts. Vas-y, hop. Yelan. Ok, let's go. Itao. Hop, et là, on attaque. Hop, voilà, des gros dégâts. Des gros multiplicateurs, 45 000. C'est tombé. C'est censé être un boss, hein, ça. Hop. On envoie. Alors, on a eu quoi? On a eu un petit artefact nul. Bon, on va commencer la quête de Kazuha, hein, finalement, hein, parce que le boss pue la merde. Alors, c'est ça. Alors, c'est où? C'est là. Pleine de machin. Pas vu, c'était quoi le nom, hein. Alors. Ah oui, c'est vrai, hop, tu utilises Yelan. Hop là! Comme ça tu vas beaucoup plus vite. Ah, super, ça, ils m'ont vu en fait. Alors qu'est-ce qu'il dit ce bon vieux Kazuha? Ah bah. Ouais, d'ailleurs, on attend toujours Sumeru, on attend toujours Sumeru qui casse les couilles. J'avoue, en vrai c'était bien. Ouais, moi aussi je pense. Va à Sumeru là maintenant! Hein? Oh, on n'est pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Il a une épée du futur! Attention! Est-ce qu'à la fin du live on pourra faire une game de Gartic? Oh merde! Oh. Heureusement que j'ai la masse de vie. Attends, je lui règle son compte et... Alors pardon, il est ok. D'accord. Une game de Gartic. On verra. Comme d'habitude, on verra. Ouais, comme j'ai dit, j'ai pas envie d'abuser de Garty. Pas envie d'en faire H24. Et on vient de l'invoquer, si tu veux. Ouais, super. Non. N'ai pas l'air de savoir quoi que ce soit. Ah ouais, genre le mec il nous snob. C'est quoi ce fils de pute quoi? Genre vous êtes des fils de pute de toute façon. Elle est crevée. Qu'est-ce qu'il a ce gars avec... Exact. Il vient nous agiter son épée bizarre sous le nez. Il s'excuse même pas. C'est pas des manières. Ce n'est clairement pas ce genre de personne qu'on va dire à quoi que ce soit à propos de Kazuha. Même si je pense qu'il n'aurait pas... Quoi? Il n'aurait pas pu faire quoi que ce soit contre Kazuha, si Kazuha l'affrontait. Oui, hein. On ferait mieux d'informer Kazuha. Il a peut-être un lien spécial avec Kazuha. Je veux dire, il connaît Kazuha. C'est juste une vague impression. C'est
se ressemblent. Pas du tout, le mec il avait attaqué en me fonçant dessus. Et puis il a rien fait, hein. Il est pas duré 2 secondes. On va prévenir Kazuha du danger. La flotte du Krux était en train de se ravitailler à Ritu. Comme par hasard, t'es comme par hasard, c'est juste à côté. Ah. Une route sans amis. Ah, super. T'es genre, ça indique bien le... La quête, elle va bien être joyeuse et tout. Bah non, du coup, hein. Pas vraiment. Mais ouais, du coup, bagarre Tikfun, c'est déjà vendredi. Hein. Vendredi, c'est demain. Hein. Non. Non, c'est... On est mercredi, ouais, donc en fait, c'est dans 2 jours. Ça va pas bouillir dans 2 jours. Une quête de qualité. Alors, je doute, justement. Hein, parce que sinon, il va pleurer. Hein, s'il est sans amis. C'est qui, lui? Peut-être Chao. Bonjour! Vous êtes à la recherche de Kazuha? On dirait bien qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors le mec il est introuvable, on est deux à le chercher et on le trouve pas. C'est à cause de quoi à la bataille de la plage de Nazuchi. Ah! Il n'y a pas eu autant de succès. Est plutôt réservé, parfois il n'écoute même pas ce que la capitaine lui dit, mais elle se contente d'en rire. Ah, donc c'est un connard en fait, genre il écoute rien. Il en fait qu'à sa tête quoi. Bah il est méchant. On dirait qu'il y a la même chose bloqué Kendo d'insouciance. Ah oui c'est vrai, oui il avait fait ça, ouais d'ailleurs c'était incroyable ça. Ouais, il avait bloqué l'attaque de la Shogun Raiden, qui est censée être 10 fois plus forte que lui. Du coup, il est en mode, ouais, mais il est trop fort. Après, il s'est fait enculer, hein, au début à la fin, mais il a eu son petit moment de gloire, si j'ose dire. Je vais mettre le casque comme ça. Il est encore plus con que la normale. Hein. Il est vraiment fort. En vrai, non. Bah, en tout cas, dans le lore, dans l'histoire, il est pas non plus... il est pas non plus fou. Vous avez récupéré un drop... Obtenir. Quoi? Je gagne mes propres drops. On va rien dire. Hein. Alors, convoqué par la commission administrative. Ouais, en gros, il a été convoqué, quoi. Une grosse merde. Le shogunat veut probablement montrer sa bonne foi. On va y... Alors la commission administrative, c'est là où il y a les méchants, je crois. Hein. C'est là où il y a les fils de pute. T'as la commission culturelle, commission administrative, et une autre. Je sais plus c'est quoi l'autre. Quant à moi, je vais continuer à m'occuper des passants. Donc là, on va aller à la commission administrative qui pue du cul, qui pue duc, comme disent les Jones. D'accord. Ah mais c'est ça en fait le truc que j'ai reçu. Ah d'accord, j'ai pas compris. Je peux en avoir combien en fait de récompenses? Je sais si je peux en avoir à l'infini, c'est cool. Genre... ouais mais on va se TP hein, on va pas faire le chemin à pied. Ah oui c'est là. Donc t'as cette commission là. T'as celle là. Et c'est tout en fait. Oh t'en as que deux? T'avais pas 3 commissions? T'es pas commission économique aussi, un truc comme ça? Non, c'est commission administrative, je pense. Qui s'occupe de ça. Du coup, t'as culturel, administrative, et t'as... Normalement, il y en avait une troisième, je crois. Genre commission... de guerre, non, je pense pas. Quoi, je sais pas, en fait. Je dis de la merde, je pense. Alors... On rentre, carrément? On peut pas y rentrer d'habitude. C'est comment à l'intérieur? Oh oui, c'est un dojo quoi. C'est quoi cette merde? Ouais, la commission c'est un dojo. Oh regarde notre petite démarche là. Comment on cambre bien le boule mon gars. Fait un petit déhanché comme ça quand on marche.
Ah oui, c'est vrai, c'est ce fils de pute maintenant qui commande. Regarde-le, il a vraiment une tête de connard en plus. Ah non, en plus, il est gentil, mais je sais pas, je l'aime pas quand même. J'ai invité monsieur Kazuo. Ouais, voilà, il a. Oui. Alors, lui, il s'est battu contre la Shogun. Il s'est fait défoncer. Mais tiens, la Shogun travaille d'arrache-pied pour résoudre les problèmes et apaiser les conflits. Ils se sont accumulés. D'accord. Et voilà les trois commissions! Bah, du coup, elle est où la troisième? T'as administratif, là où on est. T'as culturel qui était en haut de la map, là. Mais la troisième, elle est où? Enfin, j'ai loupé un truc. Il peut pas les redire, là, les commissions, comme ça, ça me remet dans le droit chemin. Vous avez entendu parler du clan Kaedera? Non, vraiment pas du tout. Pour faire cool, il y avait autrefois un groupe de forgerons impériaux à Inazuma qui avait hérité des techniques de forge de la Shogun et les perpétuaient. Le clan Kaedera était l'un d'eux. En gros, ils ont juste, c'était juste des larbins en fait. Cependant, à un moment donné, certains forgerons se sont rebellés et sont partis pour Shinenzaya. Alors ça, pareil, ça. Enfin, ça... Genre... Attends, c'est Shinen... Attends. C'est Shinenzaya, je crois que ça se dit. On s'en branle. Oh non, je suis en retard, comment il va le Razlor? C'est pas grave d'être en retard, hein. Tu peux juste dire bonjour, tu sais. T'es obligé de dire, c'est pas un drame d'être en retard. Bah tiens, ouais, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Le clan Kaedera et le clan Kamisato ont été tenus responsables de cette mauvaise gestion. Ah oui, donc c'était les boucs émissaires. Quoi. On a appris plus tard que c'était les Fatui. Mais voilà, comme je disais, Shinenzaya, c'est une putain de région de neige où il y a des putains de fils de pute qui volent des trucs aux gens. Et ils y sont allés. C'est une nation de brigands en gros, hein. Mais ils y sont dit, oh, si on y allait. Bah non. Ils sont cons, quoi. Ah, elle doit le récompenser carrément. Ah ouais. Tout ça parce qu'il a arrêté un coup. Mais aussi le dédommager pour la punition. Cependant, nous n'avons pas rendu public les résultats de l'enquête. Afin d'éviter que les Fatui puissent se servir contre nous, hein, ça c'est sûr. Ouais, moi ça va tranquille, Razlor. Et toi, ça va mieux? Mais espérons que vous comprenez pourquoi. C'est véritable ordre d'accepter les bonnes grâces de la Shogun et du Shogunat. Cependant, je ne pense pas que les gens de gentillesse soient totalement désintéressés. Pourquoi tu penses ça? Il est fou lui ou quoi? Il se dit, ça se trouve vous faites ça juste pour que vous avoir une bonne image. Ça se trouve vous me remerciez juste pour vous donner bonne conscience. Ben non, ils te remercient parce qu'ils sont sympas. J'ai pas offert. Une fois votre réputation établie, le clan Kaedera pourra reprendre son activité de forge. Et vous n'aurez plus à vivre une vie d'errance. Avec le soutien de la Shogun, vous pourrez vivre tranquillement. Et voilà, lui, il lui offre une vie. Il offre une vie stable et tout, et lui fait « Oh, je suis habitué à la merci des éléments. J'ai bien peur que cette voie de vie faste ne soit pas faite pour moi. » Sale vagabond, va. J'ai le devoir de restaurer leur réputation. Bah sinon, si tu veux pas t'en occuper, tu trouves une meuf, tu fais un gosse, et puis tu laisses s'occuper de la forge, et puis voilà, c'est fini. En final. Et puis toi, tu te casses comme un enculé. Non, je déconne, faut pas faire ça, c'est pas gentil. Si vous acceptez, je pense que vous aurez que beaucoup de rumeurs circuleront sur vous en ville. Ah, que les rumeurs qui circulent se dissiperont, je crois. Des rumeurs, on a entendu que du bien de lui en venant ici. Ouais, j'avoue qu'en vrai, on n'a pas su qu'en fait son clan
Ils avaient quitté le pays comme des déserteurs de merde. Aux yeux de certains, le kendo d'insouciance est quelque chose d'imparable. C'est vrai que, vu comme ça, c'est vrai qu'en vrai, il est fort le ref. Hein. Parce que le kendo d'insouciance, c'est un état qui rend la shogun Raiden presque invincible. Il a réussi à arrêter un coup. Bon, c'est un coup. Mais il a réussi à arrêter un coup, tu vois, le mec, c'est pas rien. Bon, nous, on a réussi à l'abattre. Tais-toi, Kazuha, en fait, hein, va crever. des témoins l'ont vu utiliser l'énergie élémentaire électro en plus d'Anemo. Et la nouvelle s'est vite répandue qu'Aedera utilisait un œil maléfique. Il est maléfique. Putain, l'œil maléfique. Les gens qui utilisent les yeux maléfiques vieillissent prématurément. Ce n'est pas le cas de Kazuha. Quoique, ça se trouve, là, en vrai, il a 2 ans. Hein. Ça se trouve, il a 2 ans et puis il en fait 20, tu vois. Exact, néanmoins, certains ont encore plus de mal à concevoir qu'une personne puisse manipuler 2 énergies. Ah oui, c'est vrai, parce que quand il a arrêté le coup, il était en mode électro. Alors que le mec, c'est un personnage Anemo. Anemo, c'est vent et électro, c'est électrique. Ça paraît... Il y a beaucoup de rumeurs de ce genre, cela met mal à l'aise. J'aime pas être en public. Mais il est con ou quoi? Il vient de dire que justement, c'était un vagabond, il restait jamais au même endroit, un peu comme... Enfin, j'allais dire c'est un gitan, mais... en quelque sorte, tu vois, c'est un peu un vagabond et tout, tu vois. Et il dit, j'aime pas être au centre de l'attention. Mais gros, t'es un vagabond, frère. T'es censé pas te faire remarquer, justement. Je sais pas, c'est bizarre. Mais si le shogunat est prêt à me soutenir, peut-être que les rumeurs à ce sujet se tairont. Alors faudrait savoir. Tu dis ah ouais, ça se trouve, vous dites ça pour avoir bonne conscience. Et après tu dis oh bah si en fait ils peuvent m'aider, allez-y. Hein. Je sais pas, c'est bizarre les dialogues. Oui, laisse-moi y réfléchir. Attends, ces discussions de côté. Qu'est-ce qui vous amène? On sait pas, même nous on sait pas. Pour te dire. Ah si, parce qu'on a rencontré ton frère, ton oncle, je sais pas. Ah ça c'est bien, ça, qu'on ait pas les dialogues où ils racontent tout. Et où des frères ou sœurs? Ah, le mec il est un peu plus vieux qu'un frère ou une sœur, c'était un grand frère, un très très grand frère. Ouais. Gros, le mec là il est en train de dire ouais, à mon avis il a dû. Il a pas appris ça de nulle part parce qu'en gros les techniques qu'il utilisait c'était vraiment des techniques du clan de lui, de Kazuha. Il a l'air très agréable. Mais comment tu peux savoir? Tu l'as pas vu, frère. Bah après oui, si du moment qu'on lui a dit oh il nous a attaqué pour savoir si on te connaissait, bon oui c'est qu'il est agressif en vrai, il est un peu perspicace, il est plus perspicace que moi. S'il attaque quelqu'un, cela pourrait avoir des conséquences. Bah lui il nous a attaqué nous par exemple et ça a eu des conséquences, mais pas sur lui. Voilà. Je vais y aller à plus tard. Ah tu t'en vas? Wistis. Dans ces cas, je vais envoyer quelqu'un immédiatement pour enquêter. Je vous remercie pour votre sollicitude, mais je dois vous dire que je suis curieux à propos de cette histoire. Bah non, en vrai, normal. Je vais commencer par accompagner la voyageuse pour enquêter sur cet agresseur. Je vous donnerai ma réponse définitive ensuite. Faites attention. Vas-y, allons trouver cette fils d'up. Ce fils d'up. Alors. Ah, on a gagné 4 leçons du héros juste pour avoir parlé à un mec. D'accord. C'est ça qui est bien dans Genshin, c'est que tu gagnes des récompenses, tu ne fais que parler à des gens et tu gagnes des... C'est cool. Oh, je vais pas m'en plaindre. Hein. Oh, il s'entraîne, regardez. Ça, c'est une technique ancestrale... De fou ça. Non. Pas du tout, c'est nul en fait. Alors. Bah tiens, tant qu'on est là, tant qu'on n'est pas en quête ou quoi, on va réattaquer. Non, pas lui du coup. Lui, hop, comme ça sera fait.
toute façon, on a que lui à attaquer en vrai, donc. Alors, hop. Hop. Putain, hop, on saute. Hop. Hop. Là. Alors. Comment vas-tu? Hop. Et bon, là, il faut attendre qu'il se... Voilà. Là, il va se mettre en arrière, normalement. Ah non. Ah, super. Hop, là, tu vois, tu fais ça comme ça. Hop, t'annules les dégâts. Là. Hop. Tao qui nettoie normalement. Ah, pas du tout. Tao qui fait pas grand chose en fait. Ah, quoique, vas-y, tue-le. C'est bon, ok. Oh, il est facile à battre en fait. En fait, je l'ai surestimé. Ah, par contre, j'ai plus d'artefacts. Enfin, j'ai trop d'artefacts en fait. Hop. Putain, j'ai mal à la tête là. Tiens, hop. Hop. Hop, hop. Au crit, non. Ah non, maîtrise élémentaire, c'est incroyable. On adore la maîtrise élémentaire, c'est fou, en fait. Alors, un truc de ouf? Non. Bon! C'est pas fou, hein. Concrètement. Un nom dévoilé à travers The Brime. J'ai fait Ah mais tiens qu'on y est. On va faire les trucs du pass de combat. Enfin le truc du pass. Il y aura un peu plus d'action que juste lire des textes. Bonjour monsieur. Donnez-moi une prime. Ah bah tiens, trop bien, immunité contre les dégâts électro. On n'a pas d'électro dans notre team, c'est bien. Et non. Et voilà. Alors. Déjà on va donner les matériaux au petit-fils d'up. Oni des mers en plein tofu boufou. Pourquoi tofu boufou? C'est stylé tofu boufou. Je pense que c'est stylé mais en vrai. Moyen. Alors. Il est quelle heure? C'est déjà une heure de live. Vas-y, en vrai on arrête à 22h parce que je commence à avoir mal à la tête et ça c'est mauvais signe. On va arrêter à 22h en vrai, je pense que ce sera une... C'est bien 22h. Tu sais, on aura fait une heure de live au moins. Voilà. Quoi? 79 000 l'ulti du Zao? Non mais c'est énorme. 79 000. Bah pas mal. Du fer blanc pour monsieur. Il veut du fer blanc. Est-ce que j'ai tout utilisé pour les épées de Kazuha? Ça c'est une petite question qui revient. Question petite questionnette. Faut se casser les buissons là. Hop. Alors. Hop, du fer blanc. Voilà mon œuf. Oh ouais, par contre, laisse-moi partir. Genre, je lui ai tourné le dos et le mec il m'a reparlé, du coup j'ai refait comme ça, tu sais. Alors, tiens, hop. Hop, bah, c'est juste là. Oh, et puis après il y a la prime à côté. Tiens, nickel. Alors, ça c'est monstre en plein tofu boufou. Tofu boufou, c'est quoi en fait? C'est genre ils sont méchants. Genre les monstres en pleine méchanceté. C'est ça, ça veut rien dire. Alors. On prend Zongli. Enfin Zonglai, si on prononce pour nos amis les anglais. Tendo Basho.
Hop là. Hop là. Ah, je suis gelé, nice. Ok. Ah putain, non pas ça. Ouais, voilà, parce que en fait maintenant je vais être gelé H24. Voilà, c'est chiant. Ok, maintenant il faut que j'aille battre lui. Ah super, je suis enflammé. Ah ouais, 40 000 Ah ouais, mais en fait mes persos ils font grave mal. Tu sais, je comprends pas, genre Wouah, niveau 1 de passe de combat. C'est totalement ouf. Hop, ici. Alors là, ça va être la prime. Donc on va devoir battre un mec nul. Globalement. En vrai, quand tu regardes Genshin, le jeu est simple. Hein. En vrai, si t'arrives à mourir dans Genshin, c'est en début de jeu. C'est vraiment en début de jeu quand t'es pas... Quand t'es pas très très fort. Mais sinon, en vrai, si tu meurs dans Genshin... Ouais. C'est que en vrai tu... Enfin, tu maîtrises pas trop. Mais y'a pas besoin de maîtriser en vrai dans Genshin. Dans Genshin y'a juste à savoir esquiver, tu fais des dodges et c'est fini. Hein. Tu... Aucun mob ne peut rentrer. Ou alors tu mets Zhongli, qui est un cheat code. Un Zhongli c'est clairement un cheat code. Son bouclier indestructible, hop, je vais le replacer le bouclier. Hop là, il est où le mec? Ah mais il est invisible. Et voilà. Maintenant, on passe à la suite. Hop. Du coup, Kazuha, mon gars, ça aurait été hyper rapide, bordel. On l'aura eu au bout de 2 secondes. J'espère que Magic Pepou, il a clip le moment où je l'ai vu. Ah, parce que... Oh, il était légendaire, le moment. Vas-y, dégagez haut, j'ai pas de dégagez haut. Bah si, j'ai les onglis. Bon, oh, on s'en fout. Alors il est où? Il est là. En vrai j'aurais bien aimé avoir Arataki Ito de la dernière mage en vrai. Ma petite sœur elle l'a eu sans souci. Genre elle le voulait pas hein. Elle est tombée dessus au hasard. Et elle l'a eu. Alors. Oh quand même. Le bouclier. Ici. Hop, double E de Jinchu normalement. Il n'a pas son outil, c'est cool. Là, elle a son outil. Là. Utao. Là. Utao qui fait passer l'attaque ultra puissante. Voilà, 62 000. Ouais. Et voilà. Alors. Maintenant. Hop. On va faire la dernière quête et après. Et après. Bon, il sera pas tout à fait 22 heures. On pourra refaire un dernier truc. Surtout si c'est des Nobushi, c'est un Nobushi ou pas? Si c'est un bot, c'est encore plus simple. Si c'est un bot. Non, c'est un Nobushi, ok, ça va peut-être être un peu plus long. C'est un samouraï! Samouraï Katanano Sabitonare. Mais tiens, on va soigner. Donc on y est. Hop. En ce moment, je reprends Genshin de plus belle. Hein. En ce moment, j'arrête pas de jouer au jeu. Quand je suis pas en live sur d'autres jeux, je joue à ça. Hein. Donc par exemple, en vrai, Arc, tu vois, Arc, j'y joue moins en... sans le live. En gros, si je suis pas en live, Arc, j'y joue pas, en fait. Tout simplement. Parce que j'ai pas trop envie d'avancer non plus. Et surtout qu'en fait, Arc, pour moi, dans Arc, ce qui compte, c'est un peu le... Le timing, tu vois. Du coup, ben... Vu que je peux pas timer, parce que sinon, j'avance sans vie. Sans les gens. Apparemment il se soigne, je crois. C'est vraiment merde. Hop. C'est fini pour lui. Hop, on va chercher les récompenses. En vrai, c'est tellement plaisant de jouer un perso qui fait grave mal comme Utao. Bon après oui, c'est pas une Utao de merde. Hein. C'est une Utao full élevé avec son arme 90. C'est pas de la merde non plus, tu vois. Par contre, ouais, par contre j'ai pas compris le... Le principe des armes 90. J'ai pas compris. Bon, mettez les armes niveau 100. Tu sais, on est à 10 niveaux d'avoir le 3 chiffres. Mettez l'arme niveau 100. Faites pas les cons. Faites pas les radins, tu sais. Mais non, ils ont mis 90. Ils étaient certainement contents. Je sais pas.
se sont dit, oh, 90, comme ça, c'est pas tout à fait 100. Ou alors peut-être à la fin du jeu, tu sais, quand il n'y aura plus rien à faire, ils débloqueront le niveau 100 pour les persos et pour... Et pour les armes, comme ça, il y aura toujours à farm, tu vois. Je sais pas. Parce que je me dis, enfin, je sais pas. Peut-être 100 en Chine, je sais pas, c'est un chiffre maudit. Je sais pas. Parce que je sais pas, moi je fais un jeu où tu vas augmenter des armes et tout et que ça augmente de 10 en 10. Bah je mets juste au niveau 100, tu vois. Ça c'est un palier le niveau 100. Donc, j'ai pas de la merde. Ouah, wow, 55 minutes à haut, attention. On est là. Après, ah, c'est moi qui prends des dégâts, non? Je prends pas des dégâts toujours. Ah, ça va. Vas-y mec. Oh c'est bien qu'il m'attire, vas-y attire-moi encore. Hop. Et voilà mon grand, voilà. Hop. Ah. Pas assez d'artefacts. Fischl. Là on a quoi? On a du dégât crit. C'est nul. Vas-y au pire. Hop, on va améliorer. Alors. Quoi, niveau 18? Merde, j'avais pas vu! En plus, améliorer que de la merde. Tu sais, ça aurait pu améliorer. Ouais, non, en fait, il y avait déjà que de la merde, en fait, de base. Du coup, bon. Hein? Ah, bah, vu que j'ai utilisé que des. Que des fioles d'XP. Hop. Non. Hop, voilà. Alors. Oh. Ah, bah, oui, du coup, j'ai eu plein d'artefacts comme ça, du coup. Uhum. J'ai une fleur et une plume de chaque set. Est-ce qu'elle est bien? Oh! Oh mais c'est épique. Pff, en vrai épique, on s'en branle. Hein. Je vais virer tout ça. Hop. On va même virer ce qu'on a eu là avec le truc. Voilà. Ça fait juste des artefacts pour level up. Hein. C'est cool. Hop. Et maintenant... Après j'irai voir les stats de Fischl parce que là du coup je lui ai mis tous ses artefacts, normalement elle a l'arme qu'il lui faut, elle a tout normalement. Et ouais, normalement elle a tout. Alors. Attention. Recharge d'énergie, c'est pas fou hein. Alors, les stats de Fischl, 1800, 13000 de PV. Ta fleur elle est niveau max. Pas beaucoup de PV hein. Alors 143, ouais c'est pas fou hein. Ouais j'ai une fichole un peu pourrie hein. Ouais. Bon, elle fait toujours... Je pense qu'elle doit quand même faire du dégât tu vois. Bah on va tester tiens, On va prendre E là. Alors est-ce qu'on a eu un truc ouf? Non. On va tester sur E là, on va les cuisiner. Enfin sur E là, sur... On va utiliser la team Eula. Voilà, je pense que c'est plus compréhensible comme ça. Alors. Voilà, en plus, parce que dans la team Eula, il y a Fischl. Moi, je pourrais utiliser la team Shogun. Non, pas la team Shogun, la team Electro. Du coup, elle a 13000 de vie. Je pourrais voir son Oz, il fait combien de dégâts. En plus, elle a un skin Fischl. Non, c'est pas ça que je veux faire. Elle a un skin Fischl dans cette mise à jour. Qui est plutôt stylé. C'est pas là-dedans non plus. Je me trompe, H24, c'est là-dedans, voilà. On va se faire du poulet. On va faire la masse de poulet. On fait 20. Et voilà. Normalement, on a le pass. Voilà. Au niveau 2. Merci directement. Hop. Je pense pas que la matrice a respawn, enfin pas la matrice là. On va tester sur qui en vrai. Bah, tiens, on va tester sur ça. On va utiliser la brume. Je pense que c'est les. Je sais plus comment c'est. Ligne énergétique. On va tester sur les lignes énergétiques. Mais alors avant elle faisait du 1000-2000 hein, avec son Oz.
J'espère que maintenant elle fait au moins du 4000, genre le double, ce serait pas mal, 5000. 10000 ça serait l'idéal, mais je pense pas que ça fait 10000. Peut-être en crit. Alors. Hein ? 2000, ouais. Oh, c'est nul ! Oh, déçu ! Après, il faut peut-être que je le mette si je le mets dans la zone de manette, peut-être qu'il va faire plus mal. De toute façon, je bois. Hop. Je suis bloqué. Là tu vois, bang. Alors je crois que c'est fini là, on va pas faire l'ulti. Ah non, mais non, nickel, tiens, hop, l'ulti du coup. 1, 2, 3, 4. Ah, 1, 2, et là on relâche. Ouais. Oh, j'ai fait quand même du 162 000. On va crever. Là, ok, 8000, c'est tout. Ok. Par contre, il fait souvent du 8000. Ouais, en vrai, ça passe. Moi, ça passe 8000. Non, je suis trop con. Je suis débile de fou. Oh, maintenant ça stack les trucs. Alors, par contre, ça en donne autant. 5. Ils ont doublé les trucs là. Ça en donne beaucoup plus. Oh. J'avais pas l'impression que ça donnait autant avant. C'est abusé, ça donne beaucoup plus maintenant. Est-ce que j'utilise une résine fragile? Ça donne quoi? Ça donne 60. Ouais, non, vas-y. Je pense que je vais juste m'arrêter là. Hop. Hop, hop. Le chat, s'il te plaît, affiche-toi. Merci, voilà. Alors. Oh putain, comment j'ai mis mon casque, frère? Ça n'a aucun sens. Bon, du coup, les gars, c'est la fin de ce petit live. Ça aurait été un petit live plutôt court sur Genshin Impact pour la découverte de la 2.8. Surtout pour les invocations, on aura fait presque que ça. Et du coup, on a eu Kazuha en 10 vœux. Choqué. Je vais directement aller voir si vous avez clip ça. Et ouais, du coup, on va s'arrêter là. Demain, on retourne sur Arc. Trop bien, je suis trop impatient de fou. On retourne sur Arc. Je pense pas qu'on retentera le Gigano. Hein. Non, non. Je pense qu'on retournera la roue, hein, on refera à l'ancienne, hein, on retournera la roue et puis on ira tame ce qu'on peut tame, hein. On n'ira pas tenter le diable, tu vois ce que je veux dire. En vrai, le Gigano, il saoule. Le Gigano d'être dans le biome neige. Tu sais, je suis le seul fils d'up qui a un Gigano dans le biome neige. Tu sais, genre, je sais pas, t'as un Gigano au volcan? Bah non, bon, il est au biome neige. Trop de chance, tu vois, trop de chance. Bon, du coup, les gars, on se retrouve demain entre 20h et 21h, hein, comme d'habitude, le live. Hein, vous savez à peu près les horaires. Donc, c'était bien sympa. Donc, on se revoit demain. Et d'ici là, soyez très très courtois. Et surtout, ayez Kazuha en 10 vœux. Et après, seulement après, on pourra parler. Ah, bon. Ça, c'est cool quand tu trompes de scène. Maintenant.